Ah, bonjour, hein. Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming, hein. Alors on prend quelques shots là, hein, vite fait, hein, mais c'est vraiment une question de 3 ou 4, hein. C'est vraiment, voilà, on voit pas encore le fond. Ça se passe bien, hein. Croyez-moi bien, ça se passe super bien, hein. Ça a pas l'air comme ça, mais voilà, c'est en fait l'eau de mer s'infiltre par des trous, ce qui est tout à fait naturel quand on entretient pas bien son navire. C'est normal. Ah, voilà. Alors ça, voilà, c'est pareil, c'est ce qu'on appelle tout bêtement des dégâts de collision. Voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière d'avoir des dégâts de collision. Je pense qu'avant tout, c'est de prendre des dégâts de collision. On commence à se noyer là. Allô. Faut extraire de l'eau. Faut extraire de l'eau. Bientôt, j'aurai la tête sous l'eau. Je vais avoir la tête sous l'eau. Le mec s'en bat les noix. Si on continue à nous tirer dessus, c'est pas intéressant en fait. Bah ouais, sauf que là t'as de l'eau jusqu'à la cabine du capitaine. Ah vas-y, hein. Tu sais, quand c'est trop tard, si on a beau être deux, ça change rien. C'est trop tard quand même. Ok. Ça s'est excessivement bien passé. Le mec remet de l'eau dans le navire, j'ai pas compris. C'est bon, je gère. Ok, je gère. Il n'y a pas grand chose, c'est vrai. Ok, je gère. Je te dis que je gérais ou pas? Ok. Bon, bah, on va se faire un crâne, hein? Qu'en penses-tu? Oh, je ne pense pas. D'accord. Mec, on est à ce niveau de dépression aiguë. Y a des mecs là-haut, je vais aller les régler tranquillement. Personne qui m'attend avec un fusil, là. C'est bon, on le vit bien. Ok, c'est un peu plus calme par ici. Je passe à la collecte des obus. Ok, c'est parti. Merde. Ok, celui-là il est réglé. Oups, il y a quelques squelettes. Ok, je vais faire un combat dans les escaliers. Les escaliers, c'est bien pour combattre. Toujours été une excellente idée. Ah bon, de petites salopes de squelettes de vos morts. Oh, ce qu'ils mettent, quoi. Hop. Petite feinte. Allez, ramenez-vous. Ok, ils sont réglés. Ok, vague. Oh là, ils arrivent par derrière. Ouais, bah je vais reprendre mon escalier. J'étais bien moi dans mon escalier, hein. Vraiment. J'étais l'homme qui parlait aux escaliers. Voilà. Ok, banane. On garde la pêche, on reste motivé. Il ne peut rien nous arriver d'inquiétant dans les escaliers, ok? Serein. Maître des escaliers depuis 1732, ok? D'accord. Ah, je faisais des escaliers, t'étais pas né. Comme on dit dans le milieu. Tiens, ils ont des planches, intéressant. Bizarre, ils nous en doivent quelques-unes, ces salauds. Tu veux un soutien logistique au tir ou pas? De quoi? Tu veux un appui-feu? Ouais, si tu veux, là. Ouais. Je vois qu'il reste un mec debout, là.
Il reste quelques mecs les pieds dans l'eau. Bah ouais. Ok, je sens que t'es occupé. Je sens que t'es préoccupé. Je sens que tu te soulèves des questions extrêmement importantes. Eh, hey, on se calme, hein. Ok. Ok, je vais passer par là. Hop. Ah, cool. Petit bouffe d'escalier. Vous connaissez maintenant le secret de l'escalier. Petit bat, salut. Ok, petite banane. Nouvelle assaut incoming. Rien nous arriver. Nous sommes dans un escalier. Il y a un tonneau explosif ici, tu l'as repéré. Ok. Salut. Ah. Ça explose en deux fois apparemment. Je pense qu'il y a d'autres tonneaux dans les parages. Mais en tout cas t'as réglé la vague d'un coup, GG. Les emmerdes arrivent. Alors vous voyez là j'ai un mur en bois qui me protège. Truc astuce et solus hein, sur Canhabitude Gaming hein, depuis si longtemps vous savez. Voilà. Mur qui nous protège de quelques attaques que ce soit, de distance, arc, flèche, tambourin, tout ce que vous voulez. Hein. Ça protège. Ok. One more. Ok. Calme-toi. Ok. N'hésitez pas à prendre un peu d'avance parce que les... Ils ont pas de ping, les squelettes, ok. Alors vous, vous en avez, mais pas les squelettes. Ok. Problème réglé. Pas de problème réglé. Est-ce que j'ai le temps de m'enfiler une banane? Ça serait parfait. Ça gère, ça gère. Ça gère. Ça pop. Soit en haut, soit à l'extérieur. Personne qui pop là-haut, non? En haut. Ok, je crois qu'il y a des gens qui pop là-haut. Je pense avoir entreaperçu des gens. Oh là là, le package de squelettes. C'était beau ça, bravo. Mets-toi une banane, mets-toi une banane. Mets-toi yam. Ok, je grimpille, je grimpouille. Ok, j'ai de la racaille là. J'ai de la racaille là. Ok. Combat au sommet, combat au sommet. Complètement ouf, complètement ouf. It's ouf, amazing. Oh là, tu passes à travers les planches. Oh, puis mignon en plus, eh. Non mais genre, lol. Genre moi je suis le contre-marinier quoi, tout le monde s'en fout. Non je suis... Ah ouais d'accord. Je me suis fait avoir. Je me suis carrément fait éjecter du combat au sommet. C'est terrible. Ok. Combat suivant. Allez, la grande salle. Moi j'y crois à mort. J'y crois à mort que c'est la grande salle. C'est où ces blaireaux? Ah non, ils ont popé dans la flotte, ils arrivent. Ah ok, d'accord, t'as décidé de jouer ça en plein centre. Ça m'arrange pas trop, moi j'aime bien les escaliers. Hein. J'aime bien les escaliers. Ok, GG à toi. Oh monsieur. Ok, d'autres emmerdes. On va dans les escaliers, hop. Oh bah ils sont tous sur toi. Oh vieux. Ah. On voit l'un qui vient réclamer son reste.
Ok, on se dit que c'est le capitaine, hein, parce que là j'en ai marre. J'en ai marre de tabasser des squelettes. Alors que c'est déjà notre premier événement crâne. Avec ce secret incroyable du Knarfang, vous direz, la technique de se battre contre les portes, c'est nul. Vous direz, moi j'ai la technique du Knarfang, c'est combat d'escalier. Hop, combat d'escalier en bois, escalier en pierre, colimaçon, escalator. C'était facile. Ouais. Alors lui il va se faire bolosser tellement gratuitement que ça va se voir. Que même la mort va se foutre de sa trogne. Il n'a pas le temps d'arriver quoi. Ah c'est ça. Oula, il y a un petit peu de TP, il y a un petit peu de TP. Il y a un petit peu de... Hein, ah, essayez un petit peu quand même, hein, on va pas se mentir. Non, ça va. Je garde un œil sur notre bateau. Parce que tu sais que moi, la TP et le rollback, ça signifie éventuellement d'autres joueurs dans le coin. Tu sais que j'ai un détecteur à joueurs finalement intégré dans mon PC. Ouais, j'utilise un cheat bien connu qu'on appelle le ping. Oh, je vois plus les squelettes là. Ah, c'est ça. Ah, d'accord, ok. J'aimerais bien arrêter mes escaliers. Mes escaliers? Voilà, merci mes escaliers. Ah. Arrêtez là, bande enculé. Arrêtez de me battre. Oui, shit comme ça là, les voyous. Les deux morts, va. Et morts eux-mêmes. Ok, combat au sommet. Règlement de compte à OK Coral. Il y a pas de passerelle pour monter, non mais... Bon. Oh non, ils descendent, ils prennent les bananes, tranquille. Ça va les gars. Mais arrêtez de me violer comme ça, vous êtes... Vous êtes quoi, bande de squelettes? Vous êtes que des squelettes? Ils étaient 10, je croyais, ils étaient 2. Forcément. Ils étaient un peu à la queue leu-leu. C'est ça. Tape à la chaîne, je comprenais pas trop. Putain, faut en taper des vagues, hein. En bas, en bas, en bas. Ok, moi je reste dans mon escalier. Oh putain, mais t'es un fou. Reviens dans l'escalier, fais pas le dingue. Fais pas le dingue. Ça se passe bien. Niveau banane, t'es comment? Ça, c'est le capitaine. Je crois que ça s'entend. Ou alors, c'est genre la dernière vague avant le capitaine. Ah, ouais, voilà, il est là. Le chef des molos. Le chef des molos. Chef du gang. On l'appelle squelette vide dans le milieu. Je bolosse un capitaine, hein. Je bolosse un capitaine, rien de personnel, TKT. Hein. Petite musique épique. La clé de la place forte. Oui, 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 c'est mon coffre, mon coffre. Il est à moi, il est à moi. Oui, oui. T'es où? En dessous. Tu te mets devant le fort, tu vas voir où je suis. Pouette, 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 pouette. Ah oui, c'est... ça paye un petit peu en fait. Ouais, vite fait, hein. Franchement. Ah. Par contre, va falloir me passer les coffres à partir d'ici. Parce que si tu passes la palissade, il faut faire le tour quoi après. Donc c'est un peu chiant. Bon, n'hésite pas, hein, tu ramènes tout. Puis on va retourner à Golden Sands. J'ai vu qu'il y avait du lore, monsieur, à Golden Sands. Vu qu'il se passe des choses. Je pose tout là, au chaud. Et juste avant la plage, si tu peux te mettre genre, tu sais, sur le rocher par où je suis passé là. Je sais pas où... Ah ouais. Oui, parce que le rocher, on peut plus le remonter, d'accord. Ouais, c'est ça en fait. C'est en fait qui est relou. D'accord, ok. Et nier. Pas de soucis. Donc, tu sais, t'essaies de me les faire tomber, comme le tonneau, pareil, si tu peux. Ah oui, on va se faire un petit tour de baril. Oh, mon galon marchand, tu sais que je voulais, là. Là, je le sens bien, là.
petite forteresse comme ça. Le crâne du capitaine. Voilà. De la forteresse. Avec deux belles émeraudes en guise de yeux. Peut-être beaux yeux, tu sais. Ah, il a des beaux chicots chromés aussi. Hein. Enfin, en or. Ah, il est tombé dans le rocher. Tu crois ça? Ah non, c'est bon. Non, c'est une blague. Il est au pied du rocher. Le jeu va pas m'en faire une comme ça. Première forteresse, il va pas nous la mettre à l'envers. Faut pas en entendre parler. C'était ta première aussi ou pas? Est-ce que c'était ta première, ton premier déflorage quelque part de forteresse? Ouais, dépucelage de forteresse, comment ça... Oui, non? Ouais, c'était la première aussi. Ta première aussi, ok. Nice. J'ai pas les... Bon, faut que je fasse le tour, quoi. Ok. Non? Si, c'est bon, c'est pas ça. Ouais, sinon, je vais jusqu'à la plage en bas. Ça m'inquiète de mettre ça. Oui, c'est ça, c'est bon, c'est atterri dans le... Il y a quelques rocher, bananes ici si tu veux. Il y a un petit tonneau là avec des bananes si jamais ça t'intéresse. Ouais, ouais, hop là, je vais prendre un baril de poudre avant de repartir. Il y a tous les coffres sinon à prendre. Hein. Aussi, hein. Ah oui, j'arrive. De toute façon, TKT, on va pas laisser une miette de pain. Ah oui, j'en doute pas. Mais... tu notes que t'es avec moi, on va pas laisser une miette de pain quoi. Zéro. Est-ce que la barre du navire est droite par contre? Ça c'est une grande question, monsieur. J'avoue que c'est important. Bah ouais, au cas où il y aurait besoin de se barrer, même si j'ai l'impression qu'il n'y a aucun joueur sur serveur. Pour mon plus grand plaisir, j'avoue. J'avoue tout. Ah oui, il est dans le rocher le machin quoi. Ah non, il est pas dans le rocher, il est au pied du rocher. D'accord. Oh, petite carafe chromée, enfin dorée. Je veux pas de différence entre ce qui brille et ce qui brille pas. Et ce qui brille. Parce qu'il y a aussi des trucs qui brillent et qui sont pas métalliques. Mais pour moi ça brille. Et donc c'est chromé. Depuis Mad Max Fury Road, bien sûr. Évidemment. Ça ici c'est bien. Petit truc, c'est ouf. Parce que jamais c'est la carafe, quand tu la tiens dans ta main, là, t'as l'impression qu'elle est trop balèze. Quand tu la poses à côté d'un crâne, elle est toute petite. C'est une grosse tasse. C'est une chopine quoi. Je trouve ça encore abusé qu'on soit... Ah, un crâne tout pété, mais bon. Que quoi? Je trouve ça encore abusé qu'on soit obligé de... Enfin, genre t'as un objet dans la main, pas plus quoi. Et t'es handicapé avec. Oui. Et puis oui, c'est ça, tu peux plus courir. Que tu puisses pas courir avec un coffre dans les mains, je veux bien. Un petit crâne ou une mini carafe, faut quand même pas déconner quoi. C'est comme si tu me disais, j'ai pris mon pistolet en main, je ne peux plus courir. C'est moche. Mon pistolet de 75 kilos. Un gros pistolet. Ah, je vous remercie toujours de suivre d'ailleurs, hein, Sea of Thieves, de pouvoir manifester votre intérêt pour le jeu idéal. Merci. J'espère que ça me ramera pas trop du fion. Malheureusement, ça dépend aussi pas mal de la connexion. Mais... j'ai tout blessé. Normalement, ça devrait être fluide. J'espère que c'est fluide. J'espère que ça vous va comme ça. Graphiquement, d'ailleurs, en maudit, il est pas vilain le jeu. Hein. Je dirais peut-être que c'est peut-être même mieux. Tu dois être moins emmerdé par les shaders qui pètent des plombs. Au minimum. Oui, il y a des chances. T'es encore en train de vider la salle. Oh ouais, c'est vrai. Il y a quelques conneries, ça va. Petit truc en fait. Bah, il reste encore deux coffres, mais il y a plein de petites merdes. Ouais, les petites carafes et compagnie, mais ça c'est cool parce que quand on va les remettre aux chercheurs d'or, il y a moyen de passer un petit galon, un petit succès de chercheurs d'or. Je sais pas combien on récolte là, mais. 10 balles. Et les miettes de pain qui vont avec. En sachant que j'ai pris le gros coffre avec la moelle osseuse là sur le dos, coffre de la forteresse. Et celui-là, lui tout seul, il chiffre. Même si j'avoue, j'aurais bien aimé qu'on ait un petit coffre en plus, genre un coffre qui pleure ou un coffre qui rend alcoolique, tu sais. Je n'ai jamais eu des coffres comme ça encore. Alors moi, je l'ai eu le coffre qui pleure. Bah avec toi ou avec Pigray? Donc non, ça devait pas être avec toi, ça devait être avec Pigray alors. Ouais. Et oh, c'est chiant, il te remplit de flotte ton navire. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, par contre, le coffre qui est rembourré, ça va être tellement génial. Au fait, on a raté un événement de capitaine. Hein, parce que là, c'est déjà un autre capitaine. Là, je viens de voir sur Golden Sands qui menace, tu sais,
Tu sais, les bateaux qu'il faut aller affronter là. Ouais, mais ça. Faut qu'on trouve du monde hein, pour ça. Attends. Ne pas s'inquiéter. Ah, le petit godet en cuivre. C'est parti. Eh, 30 balles le godet en cuivre. 30 balles. En plus, je crois que c'est le vrai prix. Je rigole même pas, je crois que c'est 30 balles. Ça ne m'étonnerait pas, quoi. D'ailleurs, on est les pirates. Et bon, ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir un... C'est pas les 30 balles, c'est ce que ça débloque derrière. Je peux le poser là. Oh, nice. Très joli. Et en train de se faire un petit déco. Un petit déco, mon gars. Valérie Damido. Nickel. Je connais, hein, faut que ce soit un peu rangé, hein, sinon après, c'est bordel. Oh, il y avait un petit crâne, là. Oh, les petits crânes dégueulasses. Putain, c'est même pas des crânes maudits, quoi. Enfin, c'est même pas des vrais crânes. Métallique. Wow. Tu vois, celui-là, par exemple, il parle pas. Il, en fait, il pionce. Je lui en juste ronflé fort, en fait. C'est tout. C'est bon, hein, pour les coffres. Je suis en train de checker s'il y a des... Bon, bah, go les barils de poudre. Toi, tu vas aller... Ici. Ah non. Bon, bah, alors, tu vas aller... Là. Oh là, il est beau. Oh, il est beau. Incroyable. Voilà. Je m'étonne que Bob Lennon n'ait pas encore joué à ce jeu et fait une micro vidéo pour faire caca, 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 caca. Avec oui, les foutus crânes. Petit coffre de capitaine. Je suis. Actuellement. Il y en a même deux. Ah, mais je suis en train de ramener là tout ce que tu m'as donné. Hein. Parce que le problème, c'est qu'à la nage, ça va pas vite quoi. Oui, non, bah j'arrive à poser leur... les barils au même endroit. Hein. Surtout qu'il en reste speed. Oh, le coffre sur le bord du. Oh là là, c'est sexy. Sur le bord du. Est-ce que je lui laisserai pas un baril allumé? Ce serait fun ça, non? Non, fais pas ça. Je veux mon galon de marchand. T'en as déjà détruit ça, ça exploserait les coffres et tout. On sait pas ça. Oh ah, mais là, comment je te fais? Plus jamais je joue avec toi. Hein. Plus jamais. Hein. Genre, mais... Sérieux? Ah, mais plus jamais. Non, mais fais pas ça. Arrête. Arrête, Bobby, je fais pas ça. C'est mon seul moyen d'obtenir mon grade. En plus, les gens m'ont dit. Enfin, mon frangin me l'a dit. Vas-y, tes quêtes de cochon, c'est chiant. Donc, si on veut éviter de se taper des quêtes de cochon, faut ramener du baril. Bah oui, mais bon, si tu veux pas qu'on se tape ces quêtes pourries de marchands là, il faut ramener les barils. Y'a que comme ça que j'achète mes galons. Voilà. Ce qui paye le mieux en plus, le baril. En vrai. Enfin, là, si on va avoir aussi les thés, les sucres, les machins là. Oh, ouais, le baril il paye vraiment quand c'est une quête. Hein. Oui, mais une quête de baril. Ce que je veux dire, ce qui est intéressant, c'est que le baril, même s'il paye pas en or, il paye en termes d'influence, tu sais, auprès des marchands pour passer tes galons. Et ça, c'est intéressant. Genre, il paye autant qu'un coffre de maraudeur, le truc. Tu sais, le coffre ferraillé là. Coffre ferraillé, oui. Premier prix. Il paye autant que ça quand même. Hein. C'est cool. En vrai, pour un objet commun. Pla, pla, pla. C'est ce que je suis en train de me faire comme réflexion, Bob. Non. Je suis en train de me dire, tuer les squelettes, ça aurait été plus rapide que de pouiller cette île. Finalement... Est-ce que ça m'intéresse? D'accord. Oh. Je pense que oui, ça t'intéresse énormément. Donc oui, ouais. Parce que je suis en train de calculer le rapport temps pour amener un tonneau, parce que du coup je t'explique, puisque t'es vachement intéressé. Je fallait pas trop ouvrir ta gueule, hein. Fallait pas me lancer, hein. T'as fait le malin, hein. T'as fait le malin. Oh, petit déco et tout, il a posé les crânes en mode. T'as vu, c'est Yoli. Oh, je suis raté. Y'a rien sur le sommet, au fait, de cette île, puisque toi t'as des yeux d'elfe de plus haute qualité que les miens. Moi j'ai des yeux de gobelin. Sommet, cette île.
exploser après 24 heures de jeu vidéo. Ouais, tu sais, sur le sur la tour là, des fois il y a des merdes là-haut. En haut de la tour. Tour de guerre ou tour de l'île? Non, 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 la tour principale au centre de l'île. Enfin, la tour du boss quoi. La tour où on a affronté les skeux. Ouais, ben, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Est-ce que tu peux jeter un œil avec tes yeux d'elfe, me dire si tu vois qu'il, s'il y a quelque chose là-haut? Non. D'accord. Merci. C'est bien aimable à toi. Sale con. Alors, j'aurais pas dire de conneries, mais je crois qu'il y a un baril. Il va l'exploser le con. À vous. Ouais, il y a un baril là. Ah, je vais pouvoir me tirer dessus. Ça va être bien. Alors, comment gagner du temps? Ouais, mais pour gagner du temps, faut être compétent, sinon ce résultat, t'en perds quoi. On m'a reparlé aussi de ta formidable compétence, dirais-je, ainsi que celle de Neveste et compagnie, à monter sur un trône pendant une heure et demie. t'es même revenu avec un bateau carrément. C'est toi qui leur fais supporter ça, hein. C'est pas moi. Hein. Ouais, bah bon, vous avez pas qu'à s'abonner à ma chaîne aussi, ils sont marrants. Ouais. Genre maintenant, c'est de ma faute quoi. Moi, j'ai jamais imposé qui que ce soit à s'abonner. Hein. J'avoue, t'es un bâtard. Je pense que si je fais ça, c'est bien. Je vais le regretter. Ah, nice. C'est pas mal, c'est pas mal, t'es... mais je suis quand même de l'autre côté. Ah, t'es une étoile maintenant. Tu peux faire un vœu. Il ne se réalisera jamais, mais tu peux faire un vœu. J'avoue, il est stylé le coffre. Captain. Voilà, je vais allumer toutes les lumières. Allô, Néa ! Petite déco. Pas piqué des tétons, hein. Ok. Non, c'est pas ça que tu voulais dire. J'avais des trucs à poser, ouais. J'en profite pour récupérer quelques obus parce qu'on en a genre tiré zéro quoi. Donc voilà, on aurait, je pense qu'on a vachement besoin d'obus. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est vraiment un item crucial. Sachant que le temps que tu arrives, j'avais déjà dépouillé tous ceux de l'île de Golden Sands quasiment. Donc voilà, ça me paraît important. Putain, ah, un autre barine. Ouf. J'étais sûr. Ton micro, c'est un plaisir. Oh, c'est pas grave. Hein. Ils avaient qu'à s'abonner à la MRP Troc TV. Hein. Moi je tape dans le micro aussi, hein, ça m'arrive. Ouais. Ouais. Non mais là tu tapes pas dans le micro, tu déménages. Ça n'a rien à voir. C'est vrai, hein. C'est vrai. Oui, du coup, là, t'es juste en train de revenir pour te retirer dessus, c'est ça? Non, je me retire pas dessus. Pour t'éviter trop de souffrance, donc... je t'épargne ce baril, parce que j'en ramène un autre. Je lance... Parce que je savais qu'en faisant... Un autre jeu, pire. Je savais qu'en faisant le tour de l'île, tu oublierais forcément un baril. Tu noteras que pour le bien de tous, j'ai abandonné un baril. Je suis à bord au fait. Bah ouais. Pourquoi Ouais, mais alors pourquoi pas? C'est une blague. Bon, va falloir réparer ces verres. Hein. J'arrive. Je suis complètement là. TKT. On prend l'eau par les pieds. Probablement. En vrai, ça va, hein. Ouais, ça va, on a un trou derrière quoi. On a peut-être un par là. Ouais, on en a un par là. Faire une inspection de cale. Parfait. C'est parfait. C'est bien, on a 39 planches. Je vais te remonter de l'obus. Hop. Ah bah non, on en a plus beaucoup. Enfin, on en a peut-être pas beaucoup de balles. Ah si, j'en avais fait quelques stocks. Ah, des obus, ça commence à être sympa.
Golden Sands, monsieur. C'est l'objectif. Hein. On va pas à l'avant-poste ? Si, mais de Golden Sands. Ah, faut m'indiquer la direction. C'est sud. Là, à ta droite, t'as Ripper Cay. En fait, tu passes Ripper Cay par la gauche et puis c'est tout droit ou par la droite. Globalement, c'est tout droit. Voilà. Pouette. Ah, est-ce que tu veux un peu de musique, monsieur? Je pense que oui. Non, ça c'est de la dépression. Non? Ouais. Ah merde. J'ai des clics. Alors je te rappelle qu'il y a Ripier Cay. C'est là où tu vois de la lumière, ouais, au loin. Et je te rappelle que là, entre les palmiers, tu peux pas passer, hein, y a un banc de sable. Oh ouais. J'ai failli me faire avoir tout à l'heure. Mais non, j'ai pas regardé, y'a quelque chose sur, sur ce banc de sable. Cool. Ce que... Même pas de baril, bande de cons. Ouais, non, pas. La tristesse. Un nouveau crâne ou c'est de la foudre? On est là! Ouh. On est là! Je pense pas qu'il y ait grand monde hein, vraiment sur ce serveur. Hein. Parce que bon, c'est le crâne le plus abandonné du monde. Hein. Je le tente d'être. D'ailleurs, quand je suis décédé, j'ai vu du monde mort aussi. Dans le monde des morts. Ah! Donc il y a peut-être des gens sur le serveur. Ah, ils sont peut-être en train de se taper les maraudeurs. Maraudeurs? Ah, ouais, les navires. Et si tu veux, on y va par curiosité. Hein. On va crever bien fort. Ouais, tu vois. Alors, il y a une quête intermédiaire qui est à Golden Sand. Je pensais nous taper ça tranquillement déjà. Voir un peu ce que ça donne. Okay. Allez. Je suis en train de me demander si... C'était du bon côté. Oh là, oui, mais moi j'ai que des formes dégueulasses. Autant nous mettre du côté des marchands. Et pour l'instant, voilà, c'est ça. Maintenant le jeu a décidé de charger. Oh oui, on est du bon côté. Oh là là, mais tu as des yeux d'elfe d'une qualité incroyable, monsieur. Bravo. Pour rappel, musique. Je regardais les objectifs en fait. Pas du tout ce qui se passe. J'entends vite fait un bruit de cloche. Hein. Prêt à lâcher l'encre quand tu le demandes. Maintenant. C'est joli. Oh, c'est tellement propre. On dirait qu'il a fait ça toute sa vie, le mec. Allez, je me fais un petit plaisir. Je prends ce grand coffre. Et je rate la marche. Oh mon dieu, un squelette sur un pic. Salut Jean-Mi, ça roule. J'ai peur. Allez. Je suis terrorisé. Oh, regarde le coffre que j'ai vendu. 2100 balles. On vient de faire 2800 balles comme ça. Ok, pour remonter. Ouais. Est-ce que tu veux que je nous avance légèrement en fait? Genre, je relève l'ancre et puis je la rejette tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est à qui qu'on vend les accessoires? Pareil, c'est à Jean-Michel Con, là, le trésor. Trésorman. Mmh. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux, j'ai pas vraiment perdu de temps. Un godet. Bien, je peux pas courir, ce godet en cuivre est tellement lourd. C'est plus level 26. Coupe ancienne. 120 balles en fait, non? J'ai rien dit, même la coupe nulle... En cuivrongue, elles vont son pognon de pesos. Hein. Elles vont son pognon de pesos, ouais. Mmh. Ouais, vous avez bien entendu, ouais. Pognon de pesos, ouais. C'est conceptual. Bon, j'ai reproché le navire tout ça pour rien, parce que je saute à l'eau comme un blaireau. Bravo. Oh,
Oh là là, ce truc de sucre qui vaut que dalle par contre. Ça vaut le, un baril de poudre le truc. Le noir, t'es en train de le vendre? Non, je vais le vendre. Les épices exquises. Hop. Et ouais, j'ai pas fait tout ça pour rien, je m'en suis servi une fois. Bon, dis-moi si je te fais chier, femme. Ah mais si, j'avais mon galon chez elle. Non, pas de temps. Bim! Qu'est-ce qu'il se passe? T'as gagné 10 balles? Bah presque 3000, c'était le crâne noir. Oui, d'accord. Ah, sur le coup, je me suis dit, vu comment le mec est content, on a gagné un ticket de trombola, quoi. En fait, rien que le crâne de l'autre bâtard et le coffre, on est à 5000 boules, quoi. C'est ouais. Très rentable. Bah, 2100 et tu m'as dit l'autre 3000, donc... très rentable. Très rentable. Ouais, tu dis très rentable. Je pense que j'ai dit très rentable. Ok. Un crâne, un coffre, on est bien. Et moult barils. Et moult barils à vendre. Ah oui, je les ai oubliés, putain. Ah oui. Et moult pognonas à récupérer là encore. Hop, je vais récupérer ce crâne là. Il a payé en répute aussi hein, le crâne du capitaine hein, de la forteresse. Hein. Putain, je me suis refait mais en une fois quoi. C'est un peu ça aussi. Un peu. Parce que bon, j'étais vraiment un peu fouché quoi donc, mais. Mais c'est vrai que c'était très appréciable. Bon, j'ai commencé à attaquer les barils, je sais pas ce qu'il reste, s'il reste des trucs, mais. Calice d'or est vendu. Ah oui, si je vais au mauvais endroit. Oui, tiens, ça c'est pour toi. Je fais des moves. Est-ce que ce baril est tombé sur le pont? Est-ce que ce baril est en bas? Tu peux me dire ça? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un baril en bas? Un baril en bas, ouais. Parfait, nice, merci. Ouais, on va continuer dans ce mood alors. Mais non. Bon, je peux lui vendre allumer le baril, tu penses? Je suis sûr que oui. Donc essaye, parce que là du coup, ce sera un concept. Mais par contre, faut que je passe vite. Parce que si je me trompe. C'est F pour vendre. Alors. Oh ouais. Je lui ai vendu allumé. Je suis sûr qu'il vaut plus cher. En plus, tu sais. J'aurais kiffé que le jeu il le fasse exploser après qu'il l'ait. Genre il a pas compris qu'il est plus là quoi. Du coup je vends que des barils allumés maintenant. Voilà. C'est le gros fun. Ah bah il tombe. Eh. Ah j'ai pris l'échelle au lieu. Ah non j'ai pris les deux. D'accord. C'est incroyable. On aura tout vendu là. Vraiment. On est vraiment des monstres. On fait ça à la chaîne quoi. Voilà, mais on est vraiment des monstres, hein. Vraiment, heureusement que j'aime l'argent. Voilà. Enfin, surtout les barriques quoi. On est à combien là du coup? Bah je sais 000. Pas mais disons qu'on est bien. Hein. J'avais 2000 boules quand j'ai commencé. Ouais donc on a fait 11000 balles c'est ça? En très très peu de temps finalement. Et eh ben je pense que c'est un bon moment mon petit Bob pour dire au revoir. De s'abonner à la MRP Troc. Ah ouais, ouais, de s'abonner à la MRP Troc et de partager bien sûr la MRP Troc, car ça se partage, la MRP Troll TV. C'est incroyable. Tu dis au revoir. Il paraît que je... Tu dis au revoir. Moi je ferai. Bon, au revoir. Des bisous, au revoir. Tchou.